Bonjour tout le monde, je suis Alice et aujourd'hui nous retournons sur Golden Sun de l'âge perdu. J'espère que vous allez bien la dernière fois. Nous avons fait une petite balade pour retourner sur le bateau de Pierce qui doit se trouver techniquement par ici, sur la petite plage là. Non, il va falloir que je remonte. Et oui, ton personnage est full. Non, mauvais chemin. Je suis en train de me perdre, attendez une seconde. Ouais, c'est pas le bon chemin. C'est pas le bon chemin, ça commence super bien en fait, j'ai pris le mauvais chemin. Donc ça doit être plus au nord. Ouais, ça doit être ça. Bon, des squelettes, je m'en fous. Là, il y a une grotte, donc c'est là où il y avait une invocation normalement. Exactement. Donc, je ne dois plus être très loin. Voilà, j'y suis. La côte est d'Indra. Là, le bateau de Pierce. Et bah tiens. Frime. Il y a peut-être des objets dans les... dans cette caisse et dans ce tonneau. Sinon, pourquoi y aurait-il une flaque? Un cookie. Il y a un cookie. C'est cool. Cookie augmente le max de PP. Voilà. Ce sera sur Pavel. Bon, maintenant accéder au bateau. Magnifique bateau d'ailleurs. Bien. Nous allons pouvoir accéder le bateau lémurien. On va un petit peu fouiller tout ce qu'il y a. Bon, déjà c'est une... Oh, il y a une carte. Je peux pas la voir. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Qu'est-ce que c'est que ceci? Une aqua gelée. Magnifique petite bébête. Assez résistante d'ailleurs. Oui, en deux tours. Qui laisse apparaître une flaque. Oh, mécanique de gameplay. Très bien. Je comprends mieux. Là, Frima, pour récupérer le coffre. Une potion. Ça pourra être utile lors d'un gros combat de boss. Oh. D'accord. Notre mécanique de gameplay. Putain, il y en a beaucoup d'ailleurs. Alors, faire des combats pour créer un chemin. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de rencontre aléatoire sur ce bateau, donc juste avant, je vais retourner. Je vais retourner un poil en haut. Juste ici. Ah bah c'était barré.
j'avais pris le bon chemin. Déjà, c'est la... c'est déjà ça. Ah, si, des combats. Des conques. Des conques. D'accord. Des animaux marins, quoi. Ok, pas très résistant, c'est bon à savoir. Ouh, level up. Level up. C'est bien ça. Voilà, je voudrais bien le coffre, donc je descendrai plus tard. Alors là. Voyons, réfléchissons un moment. Donc je dois tuer lui. Voilà, ensuite je dois en tuer un autre, lequel? Poison, zut. Voilà. Poison, oui. Alors ensuite, je dois amener ça ici. Voilà. Un instant, non, il y a une porte là donc, d'accord. Ensuite, tu dois tuer lui. Voilà. Donc là, j'ai mon chemin techniquement. Alors, tac. Tac, 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 oui c'est bon, j'ai tout. Attendez, je vérifie. Non, ça m'a l'air d'être bon. Frima. Voilà, je peux donc aller de l'autre côté. Je pousse ceci afin de créer un raccourci. Voilà. Oh là, un peu plus complexe à ce niveau. Bien, alors dans ce cas, il va falloir que je descende afin de combattre toutes ces aquas gelées. Jeter un petit vent glacial sur Ali. Faudra qu'on m'explique un jour la quantité d'eau nécessaire pour faire un poteau. Parce que pour moi, ça me semble un peu... le niveau d'eau me semble un peu faible. Sinon, ici, il y a qui fait à chaque fois qu'il a 100% de chance de réussir une attaque spéciale avec son arme. Ensuite là, d'accord, déplacer. Bon, pour l'instant c'est pas trop complexe. Là c'est un chemin à faire. C'est vrai que Pierce est empoisonné. On va le guérir. Même si ça sert un peu à rien vu qu'il a un maximum de PV. Pareil, la même technique. Ah,
level up. Et j'ai vu qu'il a pris un nouveau sort. Ah, j'ai oublié de combattre. Voilà. Bon, sonner, tant mieux. Hop, un seul tour. Voilà. Bon, pour l'instant, tout se dégoupille extrêmement bien. Ah, voilà qui est embêtant. Il reste immobile. Ah, zut. Ok, je comprends mieux. Oui, une petite énigme un peu simple. Je dois l'admettre. Voilà. C'est un petit peu simple. Ah, voilà, la salle avec le coffre. Donc, il faut que j'atterrisse là-bas. Ah, je ne peux pas. Très bien. Alors, réfléchissons. Non plus. Il me faut réfléchir davantage. Ah bah oui. Peut-être que si je pousse ça. Non, je partir intégrant du décor. Bon. Ah zut. C'est un boss. D'accord. Bon, je fais une petite erreur. Ah, je disais aussi. Je peux pas restaurer tout le monde. Voilà qu'on explique un jour comment les personnages de type de Mercure sont faibles face à l'élément de Mars. Bon. Le problème étant que je ne peux pas me soigner pour le moment. Je vais donc booster les caractéristiques de tout le monde. Et diminuer sa défense. Là, je vais jouer sur les stats. Que j'ai pas sauvegardé, c'est un peu con ce que j'ai fait. Voilà. Ah, c'est bon. Bon. Je ne peux pas faire de grosses invocations pour le moment. Je peux me soigner. Si, j'ai une noisette. Pour continuer. J'aspire les points de vie. Là, j'ai utilisé un objet de soin sur elle. Là, je soignais. Et là, je soignais. Voilà, tour de soin. Pour tout le monde, afin de ne pas mourir maintenant. Parfait, j'ai presque tout récupéré. Il ne me reste plus qu'à utiliser les derniers djinns. Non.
et un autre baptisé Tiamat. Ether rend les pupilles de Pierce et un jean pour mes stats. Une petite invocation qui te fait 523, pas mal. Ouh. Et en plus ça baisse la défense. Oula. Oula. Oula, ça fait extrêmement mal ça par contre. Voyons, où est-ce que j'ai mis Cybèle? Soigner elle. Elle invoque Thor et toi t'invoques Boreas. Normalement j'aurai le temps de la soigner avant que l'Aqua Hydre utilise une attaque. Ouais. Tout le monde est au-dessus de 100 points de vie, ça devrait se jouer. Encore une vente. Avec tout ce que je lui ai mis. Eh bien. Ça c'est un vrai boss. Oula. Ça par contre, ça fait extrêmement mal. Réfléchissons. Bon, j'ai une fiole, je vais utiliser. Là, j'ai un jean qui est revenu. Du coup, synergie. Et... Oh, une invocation de Marcus, ça ne servirait à rien. 9 psy énergie. Ah bah, c'est fini. Un petit combat de boss extrêmement sympathique. Nouvelle technique en plus. Génial. Ah. Évidemment, c'est inondé. La salle des machines, où se trouve-t-elle? Ici sans doute. Oui, tiens donc, une énigme. Une énigme, ma foi, assez simpliste. Voilà, c'était simple. Eh mais il y a ça dans le bateau, en fait. Oh, putain, c'est... Ah mais oui, mais c'est un bateau lémurien. Comprend facilement. Bon, et ben voilà, j'ai un bateau. Magnifique bateau, comme vous pouvez regarder. Et là, si vous appuyez sur A, lorsque vous êtes sur sur de l'eau claire, je dirais, il y a une petite chance que vous trouvez de l'argent. Alors, évidemment, voilà. Et pour accoster, c'est A. Non, dégage. Reviens. Oui, bon, alors, il faut que j'aille sur de l'eau pas trop claire. Alors, je suis là, et bien... Alors, j'ai le choix. J'ai le choix, soit je contourne tout ça, soit je vais explorer un petit peu partout. Je pense que je vais y aller sur les îles, là. Elles me sont ouvertes. Elles sont juste là, elles sont magnifiques. Elles sont belles, elles sont là. Ou alors, je pourrais passer par ce continent-là. Ou alors, je pourrais aller vers ce continent glacé. Et il faudrait que je fasse un énorme détour.
que je passe par des rivières, que je passe par ici. Ouais, je peux aller quasiment n'importe où. Allez, avant de terminer cet épisode, on va s'aventurer un petit peu plus en mer. Mais j'aime soigner. Je vais explorer la petite île qui se trouve juste là. Je pense que je peux y aller facilement. Ouh, magnifique musique de combat en mer. J'aime ça. Bon, petit monstre. Assez simple. C'est un peu dommage. Je pensais qu'il y avait des créatures un peu plus puissantes. Bon, remontons un petit peu. Voilà. Alors, où suis-je ? Il honore d'Océania. Oui. D'accord, là il y a une barrière. Bonjour. D'accord. Ok, il y a du peuple. Naviguer en suivant le sens des rochers rouges. Ouais. Eh, il y a de l'herbe. Et si j'essayais cyclone? Oh, c'est magnifique. C'est un peu moche par contre. Ah oui, alors dans ce cas, je te dirais de pas mourir. D'accord. Tiens, je vais continuer à faire cyclone partout, c'est drôle. Puis c'est beau. Nom de Dieu que c'est beau. Bon, par contre, je ne peux pas aller de l'autre côté. Tiens donc. Tant pis. Bon, et bien c'est sur cette magnifique île que nous allons nous quitter, sur cette île étrange qui s'appelle île au nord de Sonia. Je pense que pour la prochaine fois, au tout début, j'irai sur cet îlot là. Et puis nous explorerons un petit peu plus ce monde en nous arrêtant par ici. Bref, sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas, comme d'habitude, de laisser un petit pouce bleu. Ça fait plaisir de commenter la vidéo, de vous abonner à la chaîne, de me suivre sur Twitter, on passera à US1. Bon jeu et à la prochaine.